Poule Renard Vipère, un jeu de cartes inspiré du célèbre jeu de polo Poule Renard Vipère. Il est édité chez Jeux FK, c'est un jeu qui se joue à partir de 7 ans, on peut même jouer un peu avant, de 2 à 5 joueurs, une manche dure environ 10 minutes, donc ce sont des parties très dynamiques. On trouve dans le jeu 12 cartes renard, 12 cartes poule, 12 cartes vipère. On trouve également 4 cartes renard manche poule avec la petite assiette située en haut, 4 cartes poule manche vipère et 4 cartes vipère manche renard, c'est bien connu. On trouve également, pour se protéger, une carte abri de chaque, donc un poulailler pour protéger ses poules, le caillou pour protéger ses vipères, la forêt pour protéger ses renards. Alors on démarre une partie à 3 joueurs, là on a Pauline, Dorian et Loris. On a distribué 6 cartes à chaque joueur et il y a une pioche au milieu. C'est Pauline qui démarre, elle regarde ses cartes, met tout à sa place et elle découvre donc 3 renards, une poule, une carte vipère mange renard et une carte poule mange vipère. Alors pour démarrer une série, il faut poser au moins 2 cartes d'un même animal. Donc Pauline peut démarrer une série de renards. Elle les pose devant elle. Elle ne peut rien faire d'autre pour le moment. Et elle repioche pour avoir à nouveau 6 cartes en main. La main passe au joueur suivant. On va poser les cartes de Pauline, on va prendre celle de Dorian. Dorian, qu'a-t-il dans son jeu? Il a 4 poules, donc il va déjà en mettre une, deux. Il n'est pas obligé de les jouer toutes, mais il a envie de les jouer toutes. Ça lui fait 4 points pour le moment. On verra bien ce qui se passe après. Alors, il a une carte vipère mange-renard dans son jeu. Il pourrait aller manger les renards de Pauline, mais il n'a pas de vipère devant lui. Il n'en a qu'une, il en faut deux pour démarrer une série. Donc, il va patienter. On verra bien les cartes qu'il aura au tour suivant. Voyons maintenant le jeu de Loris. Loris démarre une série, oui, de vipères, avec ses cartes vipères, et il ne peut pas démarrer de série de renards, il ne peut pas démarrer de série de poules, il n'y en a qu'une, ça c'est une carte de protection. En revanche, il a une carte vipère mange renard. Étant donné qu'il a des vipères devant lui, et que quelqu'un a des renards autour de la table, il peut poser cette carte à côté de la pioche, et aller manger tous les renards du joueur de son choix. En l'occurrence, il n'y a que Pauline qui en a, donc il mange les renards de Pauline. Une fois qu'on a commencé à manger, on n'a plus le droit de poser d'animaux, donc il n'a pas le droit de poser dans ce tour de jeu une carte renard supplémentaire. Il repioche pour avoir 6 cartes en main. On va laisser de côté ce jeu et reprendre celui de Pauline. Ah, Pauline va pouvoir recommencer une série d'animaux. Elle va mettre 3 vipères et elle a une carte vipère mange-renard. Elle est contente, elle met sa carte ici, et elle va pouvoir récupérer les renards qu'elle a mangés. Mais Loris dit non, je ne suis pas d'accord, mes renards se cachent dans la forêt. Et il sort cette carte à ce moment-là. Ces 3 renards sont protégés jusqu'à la fin de la manche. Pas les suivants, mais ceux-ci sont protégés. Loris repioche une carte pour avoir de nouveau 6, comme il en a perdu une. Pauline repioche 4 cartes pour en avoir 6. Et son tour s'arrête automatiquement. Dès que quelqu'un a opposé un abri, le tour s'arrête. La main passe. C'est maintenant à Dorian de jouer. Dorian joue deux vipères. On va dire qu'il va garder ses 2 autres vipères pour le coup suivant peut-être. Et le voilà. Ah non, ça il ne peut pas jouer puisque les renards sont dans la forêt. Il ne veut pas aller les manger. Alors on joue ainsi. Si on veut jouer plusieurs cartes mangeailles de suite, on peut jouer plusieurs cartes mangeailles de suite. Et une fois que toutes les cartes ont été distribués, dès qu'un joueur n'a plus de carte en main, ça stoppe le jeu, ça stoppe la manche, et on compte un point par carte qu'on a devant soi. Donc si, admettons que la manche s'arrête ici, Dorian aurait 6 points, Loris aurait 5 points, et la pauvre Pauline n'aurait que 3 points.